Bon, on va sûrement regalérer un petit peu au début, hein, parce que ça, mine de rien, ça commence à faire un bail qu'on n'était pas venu. Mais on va essayer. Après, je crois que depuis, on a eu une upgrade d'armes, et bah du coup, la force inébranlable. Ce qui fait qu'on risque de mettre des sacrées tartes quand même. Hein. Mais bon, ne parlons pas trop tôt. Ah ouais, on le sent quand même, hein. On sent quand même la différence. Par contre, les guêpes, toujours la même ambiance, hein. Un petit heal, ça passe. Voilà. Ok, donc là on a le temps de se laisser tranquille. Ah, c'est vrai que maintenant on les touche, quoi. Ok, ça on a oublié, non, c'est les araignées je crois, c'est ça. Enfin les tentacouilles, je ne sais pas comment les appeler, mais qu'on touche chaude maintenant, MDR. Reviens. Merci. Ah la puissance brute, hein, mine de rien, on dira ce qu'on veut, mais ça fait plaisir. Bâtard. Bon, on attend de se vide là, je pense. Ouais. Voilà, tranquille. Alors là, la phase qu'on redoute un petit peu à chaque fois. À cause d'elle, là. Et voilà. Ça n'a pas manqué, comme d'habitude. Je n'arrive pas à les esquiver, hein, c'est dramatique. Merde. Ok, ça se tranquille comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. Ça c'est un peu ballot. Ok. Ensuite c'est quoi? Ah, les mantes. Alors, on va en profiter de se healer tant qu'il est là, lui. Le truc optionnel. Une en moins, ça fait plaise. Alors, là, on n'a pas envie d'en garder trop en l'air, voilà. Ok. Là, je crois que c'est les TP dans tous les sens. Voilà. Qu'on touche shot, alors ça c'est une excellente nouvelle par contre. Merde, ça c'est une moins bonne nouvelle. Ah par contre eux, si on arrive à les tuer sans perdre 15 milliards de PV, ça va être une fantastique nouvelle. Ah ouais, c'est incroyable ça par contre. Ça va nous carrer de ouf, hein, le fait qu'on les défonce. Allez, arrête. Merde, ça se maintient. Ok. Fuck, mais en vrai ça valait le coup. Pas du tout. Allez. Merde. Laisse-moi un build. Non. J'aurais dû passer en travers. Voilà, comme ça. Ok, d'huile, pitié. Oh, qu'est-ce que c'est? On n'est jamais venu ici.
Ok. Ok. Wow. Ok. MDR, arrêtez tout. Comment? Oh. Oh, c'était triste le bordel. Ok. Un petit île? Allez, un petit île. Ah. Ça, je le redoutais un peu. Ah. Oh non, pas les abeilles. Meurs. Ok. Oh là là. Arrêtez tout. Ah putain. Ah non, pas les fantômes. Du coup, le match TP est marqué. Ah, les murs, ça, c'est, ouais, c'est bien l'enfer. Hein. Bon, c'était notre premier try sur cette partie-là. Du premier coup, on était aussi loin. Et du coup, voilà, le fantôme, il chill avec nous maintenant. Incroyable. Et on le récupère en un coup. Bon. En vrai, je suis content. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop perdu, on est revenu assez loin. Bon, après, il faut dire qu'on tape comme une brute maintenant. T'as une emote rip hein, si tu veux Darkwing, tu regardes en dessous dans les emotes de. En dessous de la chaîne. Il y a les emotes de Better Touch TV. N'hésite pas à spammer. Dans ces cas-là. Il me semble qu'il y a une emote rip ou rect, un truc comme ça. Ok. Oh, double shot, merde. Pas l'abeille, pitié, pas l'abeille. Ok. Ça c'est un peu gratos, c'est débile. C'est l'abeille qu'on veut. Ok. J'avais pas vu. On se fait un petit heal. On te bute. Ok, d'accord. C'est devenu anecdotique de ouf. Faut juste pas rester dans l'explosion. Celui-là. Ouais, alors par contre, ce serait bien d'arrêter de se donner gratos. D'accord, ils sont venus suicider sur moi. Aïe, aïe. Oh, oh. Non, pas deux abeilles. Pitié, non. Oh putain. Laissez-moi en paix. Et j'arrive quand même à me le bouffer, hein. Je l'ai. Connard. Ça c'est ici. You died.
on arrive à prendre ce spot là ici, par contre c'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça va être les Morantins, on n'oublie pas. Fuck. On est dans le respawn, c'est pas de chance. Vite, d'huile. Les TP man. Ok, là c'est l'autre qui va sauter du haut. Ah non, c'est vrai qu'il y a les fantômes d'avant. Profitons-en. Allô? Oui. Viens là. Merci. Là c'est moins drôle. Donc 3 coups hein, pour eux. Ok, deck. Fuck. Ok, TP man, je t'avais pas oublié. Oh, j'avais oublié cette capacité par contre. Fuck. Mais ne reste pas dans les trucs. Alors, les sales ambiances. À l'aide. Merci. Bon, ça c'est globalement anecdotique, hein. Dit-il avant de se préparer à mourir comme un débile. Et voilà, exactement. Et là, je pleure. Toi, t'es vraiment pourri, je te déteste. Il faut qu'il meure, c'est tout ce qui compte. Voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a une plateforme MDR qui a pas duré. Oh là là, ah oui. Oh non, alors ça c'est con. Ça c'est très con. Décidément, c'est très très con. Oh, mais pitié, stop. Non. Oh, putain, c'est dur. Ah, des problèmes d'OBS. Ok. OBS qui fait des caca. Pas cool. Hein. Bon, on recommence. L'idéal, ce serait de ne pas mourir comme un naze. Il est long le combat, c'est ça en fait, c'est surtout de l'endurance. C'est un peu dur pour moi, je vous avoue, après 9 heures de boulot. Mais bon, on va encore essayer quelques fois, je pense. Pas pris de dégâts de cette abeille, je suis assez fier. Putain.
putain d'abeille, je l'ai. Et mon dieu, de tout mon âme. Là ça va être les deux gros et les bombes, donc on évite. Voilà les pieuvman. Petit bâtard. Le magie contre l'abeille, c'est pas la solution. Ouais mais en vrai oui. Mais c'est juste que je suis un naze et que je joue pas du tout magie en fait. Et comme j'ai jamais pris la peine d'apprendre à vraiment jouer magie, bah, j'ai un peu du mal à m'y faire en fait. En fait, le réflexe ne me vient pas et c'est ma faute hein, complètement, mais. Pourquoi je me mets en dessous? Pitié, make it stop. Oh. Ça les one shot même pas hein. C'est vraiment les pires ennemis du jeu hein. Oubliez Grim notre cauchemar hein. Les abeilles hein. Hop, alors ça franchement. Salut Dan. Elle vient de battre. Hehe. TP man. Hein. Ah non, pas encore. Démonte d'abord. Ok, TP man maintenant. Ah, Dan il est chaud. Dan il est fou. TP man qui va nous tomber dessus. Ah non, c'est les crocs t'as de mort. Qui servent un peu rien pour me donner l'occasion de me heal, donc je les remercie, hein, mine de rien. Alors, par contre, ouais, faudrait peut-être venir. Merci. Oh, genre il me touche. Connard. Alors maintenant, les mecs avec l'électricité qui me donnent envie de pleurer. Bon, lui ça a été. Lui ça a été. Oh, petit bâtard. Pas le temps de se lire, rappelons-nous. Oh putain. Là, il y en a un qui va tomber du plafond. Non, pas encore. Et là il tombe du plafond. Ok. Là c'est Tetris. Qu'est-ce que tu fais Dan? Il est fou. Point. Fuck. Et là maintenant on pleure. Connasse abeille.
connaissent ce truc. Les menthes. Fuck. Ah, pitié, arrêtez. J'ai le vertige. Oh. Oh. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que... D'accord. Je me suis fait bait. Je me suis dit, mais c'est débile. Et en fait, non, pas du tout. C'est terrible. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Laissez-moi heal, pitié. Petit bâtard. Ah putain, petit bâtard. Arrêtez, arrêtez, c'est trop, c'est trop, c'est trop, là c'est trop. Oh lui il va me laisser heal par contre. T'es mon meilleur ami toi hein. Allez, 2 secondes. J'ai pas le temps. Yes. Oh, fuck. Non, mais... Non. Oh, yes. Non. Oh, non. Pas yes. Putain. Allez. Mais ça... Est-ce que ça s'arrête? Un jour. Et stop, stop. Laissez-moi régène. Putain. Je l'ai sous-estimé. Please. For the love of God. Allez, c'est fini maintenant. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ok, bouboule. Crash. Mmh. Ah là là. Oh là là, on veut pas finir là-dedans. Ah là 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 là. Crève par pitié. Oh. Oh. I did it. Allez, applaudissez. Are you not entertained? Oh, pardon. Oh. J'ai tapé mon micro, excusez-moi. Je suis un fou. Are you not entertained? Ah bah c'est bon, on peut pas partir 10 minutes sans avoir du spam. Ouais mais Dan, c'est mon meilleur viewer, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui suit la hype des... J'ai l'impression que c'est le seul qui aime autant les emotes animées que moi. J'ai un vrai plaisir à voir ça dans mon chat, ça illumine ma journée. Et bien voilà, le cuisier des fous, c'est fait. Bravo. Yes, 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 yes. Ok, donc on a plus besoin de ça pour l'instant. Pas du tout. Hop. Voilà. Bah, vu le pain, tu me déçois, hein, écoute. Enfin, on peut pas dire les choses autrement. Au bout d'un moment, tu fais aucun effort. Hein. Bien. Alors, on note. Vous étiez fou. C'est fait. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire un truc un peu plus chill? Est-ce qu'on n'irait pas faire Champignman? Non. Champignman, en vrai, je pense que je vais regarder hors stream un peu qu'est-ce qui se passe. Si c'est vraiment intéressant que je vous stream, sinon c'est le genre de truc que je ferai hors stream. C'est pareil pour la quête de la fleur à transporter. Je sais pas si vous vous rappelez celle-là, je sais pas si je la ferai en stream.
Ne serait-ce que. Bah parce que. Ça a l'air long et chiant. Surtout. Je sais pas trop si ce serait intéressant pour vous. Elle est où Micheline déjà? Elle est là quelque part. Hein. Je sais plus exactement, elle est dans un coin ici. Et en gros, il faut faire toute la route jusque-là sans se retoucher une seule fois. Et c'est un truc qui va prendre facile une demi-heure si on se plante pas, quoi. Enfin, je sais pas combien de temps exactement, j'exagère peut-être un peu. Et j'ai. Ah, l'édito. Oui, il faut rien de la route exacte. Et puis surtout, enfin là, je me dis, là, comme ça, maintenant en stream, est-ce que c'est vraiment drôle? Je pense pas. Donc je pense qu'on va essayer d'aller faire le White Defender dans les égouts. Ça fait un petit boss pour finir la soirée, c'est pas mal. Les modes de grand affaire, elle est incroyable en vrai. C'est quoi ici déjà? Non, c'est plus rapide de descendre par là. Non, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'ascenseur. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Pas du tout, c'est au-dessus. Rappelle. Ah mais en fait on est du bon côté en fait parce qu'on veut descendre là au niveau du magasin. Bon, on va faire un petit tour dans les égouts, hein. J'espère que vous m'en voulez pas. Vroom vroom. I want you in my room. Brava. À jamais je foncerai trop dans le boss, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pour ça qu'on m'aime. Putain, on est déjà roué à 6000 balles, mine de rien. Alors je suis triste parce qu'apparemment il y avait moyen d'avoir un dialogue avec Hornet au niveau de la statue là. Et on l'a raté parce que c'était à faire avant dans l'histoire. C'est un peu tristoun. Je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des trucs time gate comme ça. Mais bon, on fera avec hein. Oh bah dis donc, je vous ai oublié vous autres. On va prendre le banc quand même. On n'est pas des bêtes. Hein. Pif. Alors le white. Oui, d'accord, c'est elle. Le white defender. Il est. Attendez, je vais remater. Tais-toi donc. Alors, juste pour le plaisir, on se retape les bruits des vers de terre de l'enfer. Hein. Connard. Pardon. Boum, 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 boum. Je l'avais pas vu. Les égouts, hein. Le cocon dans la fosse. Le truc pour avoir le cœur du vide si, et le flashback si c'est ça oui on l'a fait tout à l'heure d'ailleurs
Sinon, précise ta pensée. Tu prends tant pis sur Sea of Thieves. En même temps, ouais, le jeu il est quand même bien plus complet. J'étais un peu déçu du jeu quand il était sorti parce que je trouvais que ça manquait pas mal de trucs par rapport au 5, mais finalement, c'est vrai que bon, le système des quartiers, etc., on finit par s'y faire et c'est plutôt cool. Donc, oui, rappelez-vous de cet endroit dégueulasse plein de caca. On avait combattu le Choli caca. Faut ça redure. Ah oui, non, on va y aller. C'est pour le dernier DLC et on ira une fois qu'on aura fini ça. Je pense qu'on finira le stream là-dessus pour voir un peu ce qui se passe. Même si on ne combattra pas forcément dedans tout de suite. Donc, ici il se passe des trucs. Mais alors quoi exactement? Que nous dit le guide? Pourquoi tant de zoom? C'est en dessous. Il y a un truc à péter. Allô? Apparemment, il y a un trou. Bah alors? Ouais, c'est clair. Pourtant, on a pas raté un boss de rêve quand même, si? Attendez. Hollow Knight. White Knight. Alors. Location. Dreamboss version. Insanity Memories. Avoir défait les trois Dreamers. Donc, aux dernières nouvelles, je pense que c'est bon. Ah, alors apparemment, on aurait peut-être raté un boss. Ah bah non, c'est bon. C'est juste que c'était ultra caché. Stupide. Les trucs cachés, mais trop cachés. Ah, qu'est-ce que c'est? Une idole du roi, pourquoi pas. Et du coup, il est dehors, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas buté, hein. Et il a des statues, du coup, de bouse, qui représentent les cinq chevaliers du roi. Lui y compris. Allez, essayons de voir un peu ce qui se passe. Allez, on est à nouveau dans le White Palace, hein, on reconnaît. Ah, il est que sa belle armure. Onda! Ouh, dis donc. D'accord. Et reviens. Putain. Mais genre. À quel point on peut te bourrer? C'est la vraie question. Ah, petit bâtard. Wunda. Arrête. Ah non, c'est du caca. Ah là là, petit bâtard. Ah là là, ok. Ok. Ouais, un petit peu énervé ce boss. Hein. Et par là, il y avait des trucs? Non, c'est juste le vide. Ok, donc bataille de caca, on a compris. Hein. Par contre, quand il ressort de... Oh fuck. Laissez-moi le temps de mail, mon dieu. Alors du coup, je suis triste parce que j'ai...
Ah, de gueuler, mon Dieu. Ah, fuck. Ah là là, j'ai pas assez de réflexe. C'est un boss réflexe. Ah, c'est pareil. Oh, dis donc. Oh, il me suit, hein. Pire que les batailles à la cantine. Ah, ça. Alors du coup, je regrette un peu de pas avoir pris mon truc de force, hein. Parce que les deux cœurs en plus, en vrai, ils ne servent pas à grand chose. Tandis que là, lui mettre des belles patates, étant donné comment on peut le farmer, ça fait envie. Ah là, pas assez de distance. Hop, ok. Doma, doma. Un seul heal. Stop la grid. Fuck. Il faut foncer vers lui en fait quand il plonge. Un heal. Un seul. Voilà. Ok. Ok, parfait, phase 1. Après, il va sauter en boucle. Là, il m'a sauté dessus même. Faut faire gaffe, il y réapparaît en fait. Prêt. Un heal. Deux. Allez, deux. Parfait. Easy. Easy, easy. Et tous les boss sont des boss à réflexe. Ouais, c'est pas faux. Alors là, il voit ses amis, les 5 chevaliers, disparaître. Et il est triste. Alors du coup, tu l'avais déjà fait, celui-là, vu le pain, ou tu le connaissais pas? Mes amis, je protégerai notre royaume. Ayez confiance en moi. Mes amis, nous serons tous réunis. Alors ça, il n'y a pas trop, c'est ça. First try, toujours. Hop. 2700 essence. Aucun intérêt, parce qu'on a plus besoin d'essence. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est juste pour le refaire? Non, mais c'est bon, hein. Une fois, c'est bien. Oui. Il m'était vraiment inconnu. Et bah voilà, comme quoi tout le monde en apprend. Voilà, donc on a fait le Wheat Defender, ce qui nous a fait un petit au fait de plus. On en est où niveau au fait d'ailleurs? Hop. 60% seulement. Et B. Au niveau des trucs, il nous reste à faire. Obtenir tous les éclats de masque. Donc ça, ce sera quand je ferai la fleur. Laisser les autres mourir, malheureusement, ça c'est un truc du début de jeu qu'on ne peut plus faire. Le truc d'endeuillé, bah ce sera en faisant la fleur. Bon, les speedrun et compagnie, ça MDR, mais non. On saura la marque du chasseur, il faudra que je le fasse. Ça, de toute façon, elle sera toutes les créatures de l'année dans le journal. Ah, par contre, qu'est-ce qui me manque? Ça c'est bizarre. Peut-être les boss du dernier DLC. Mais ouais, ça c'est des trucs que je ferai peut-être plus tôt en stream, hein, on va pas se mentir. Bon. Bah écoutez, on est à combien? Ouais, bah on a pile le temps d'aller faire un petit tour dans la dernière zone du jeu qu'on n'a pas faite. D'aller voir un peu de quoi il retourne. Ça me paraît pas mal. Par là. Voilà, donc on s'en va du caca parce que le caca c'est gentil 5 minutes, mais stop. Les délires freudiens, très peu pour moi. Où vais-je? Personne le sait. Moi y compris. Toi crève. Ouais si, c'est par là. Tout c'est où, hein? T'en veux aussi? Tiens, viens. C'était sûr.
ça suffit, du pain. Les gens vont finir par le savoir que t'aimes le caca. Qu'est-ce que je fous? Hop, baited. Ah, ok. Alors là, c'est là, hein, je crois. Pour aller dans les ordures. Pas du tout. Si. C'est vrai qu'on va devoir retraverser toute la zone des vers de terre de l'enfer. Ça suffit, arrêtez. Hop, les vous. Les vers de terre de l'enfer. C'est pas par là. Je suis fatigué. Allez, mais... Personne ne doit savoir que tu es super caca. Alors on va... Oh connard. On va dans la décharge du coup. Zoui. On tombe dans le vide ordure de la cité. Alors là pour être tout à fait honnête je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Comme je vous dis on va voir à quel point on peut avancer sans que ce soit chiant. Alors du coup, examiner. Un cocon enchaîné avec un verrou simple. Utiliser une clé simple? Oui. Oh bah bonjour. Syntoniseur divin. Dispositif qui résonne avec les êtres de grand pouvoir. Cherchez les dieux d'Alonest. Syntonisez leur puissance. De par leur force, faites votre ascension. Jour. Oui. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Blasphème! Blasphème scandaleux! Tyran, petite faufile, tu es le plus petit des petits. De quel droit tu pénètes en ces lieux, dans la maison des dieux? Envole-t-y et disparaît. Disparaît. Un plaisir des yeux, ouais, toujours. Bon, et vu le pain qui nous spoil, qu'on va se retrouver face à un boss de l'enfer, visiblement. Maison des dieux. Bonjour. Est-ce que je peux lire vos pensées? Cherche pouvoir. Pas cher. Un pont? Ah. Défier, d'accord. Défier. Trois défis visiblement. Et ici c'est bloqué. Là-haut, on a quoi? Un banc. Yes. Carte mise à jour. Tu m'en diras tant. On est où? Avec notre ami grosse bouche qui est en train de kiffer la vie. Ouais, on a carte mise à jour mon cul. Hein. Même pour penser au comment? Ça me font penser aux muses dans Hercule, avec leurs cheveux. Cherche pouvoir, oui, oui, d'accord. Et par là, il y a quoi? Rien du tout. Il y a combien? 1h46? Bon, on a le temps de tester un peu les boss quand même, voir un peu à quoi ça ressemble. Commençons par le premier. Oula! Ça veut dire. Et encore en bas, c'est pas un trou. Ah. Oui. Salut. Notre esprit, une mer. D'accord. Un pont. Une mer ou un pont? Qu'est-ce que c'est? Examiner. Salle des dieux, mer cruse. Où je serais? Ah, ça permet de voir tous les boss du jeu. Putain, on en a raté plein en fait. On en a fait beaucoup. Mais pas assez. Ah, intéressant.
on peut refaire les boss un par un du coup. Rappelez-vous tous ces boss. Oh, Hornet. Je sais plus qui c'est ça. Ah, le gros ver de terre évidemment. Les reines mantes, les dames mantes, pardon. Ah oui, les. Je sais plus qui c'est. Ça, je m'en rappelle plus non plus. Des défis en plus, super. Ah, le. Ça, c'est le. Le skin. Ça, c'est Nosk. Ça, c'est le collectionneur. Ça, bah, c'était le mec du Colisée des Fous qu'on vient de faire. Ça, un connard en diamant, random. Pourquoi il y a une manivelle à côté de lui? Ça, c'était le Humu ou je sais plus quoi, la méduse géante. Ça, c'est le seigneur traître. Zot, le prince gris. D'accord, donc si en gros, si on a envie de se refight avec des boss qu'on a déjà tués, ça permet de les faire. Ça, c'est Grim. Ce dieu vide est un sommet d'un panthéon. Donc ça doit être Nightmare Grim, je suppose. Je vous attends au sommet d'un panthéon. Tu es au sommet d'un panthéon. Ensemble, nous sommes au sommet d'un panthéon. Oui, bah ça se répète un peu. Ça, c'était le moine Maître U. Ça, c'était Corbeau ou Gorbe ou je sais plus quoi. Ça, je me rappelle plus. Qui tu es, toi? Je me rappelle plus. C'était l'un des rêveurs aussi, je crois. Idem. Pourquoi là, il y a une statue d'un mec, on ne sait pas. Ah, ça, c'était la chenille de qui était trop kawaii. Toi, je sais plus trop. Sans yeux. Ah bah, il suffisait de demander. Ah, ça, eux, ils étaient chiants, les VR, rappelez-vous. On avait galéré. Ça, bah, c'est le défenseur bousier, justement. On a tué la version white tout à l'heure. Ça, c'était le maître des âmes. Ouais, c'est ça. Quel enfoiré. Qui nous avait pranké. Ça, c'était un guerrier de l'âme. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh, un banc. Yes. Et c'est tout, il n'y a que. Donc, on en a raté quelques-uns, mais pas trop quand même. D'accord, d'accord. On en a fait pas mal, hein. Il n'en manque pas grand chose. Bah, du coup, si j'avais à deviner, je dirais que là il nous manque Grim en Nightmare, et eux ça doit être les trois boss au-dessus en fait. Sans doute. J'espère. À moins que ce soit les boss de la fin du jeu, si c'est possible aussi. Ok. Une belle galerie avec des statues, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ici? Mystère. Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté de la mer? Pas du tout. Donc on est à l'Olympe des insectes, incroyable. Oh la vache. Alors, spoiler. On fera pas les versions de mon cul, hein. On va faire les versions, on va déjà faire les trois boss là, et puis ce sera parfait, hein. On va pas se mentir. D'accord, ça marche. Bon, voyons voir ce qu'il nous propose ici. Maître du... Panthéon du maître. Donc on va faire avec rien du tout, hein. On va déjà voir ce qui se passe. Ultra agréable. Oui. Misérable. Qui a créé tes propres destructions? À travers les combats sacrés, nous syntonisons les plus grands êtres de ce royaume. En franchissant ces portes, tu as défié les dieux de ce royaume. T'y considères-t-il l'idéal de ce panthéon et de ses maîtres? Brandis tes armes, misérable, et sois damné pour tes arrogances. C'est ça le maître? J'avais pas vu que c'était le vide. Hop, je t'en remets une.
Fuck. D'accord, j'ai le droit de sauter par contre, s'il vous plaît. Bon, par contre, on en parle du fait que c'est une mécanique pourrie. Hein. Ça doit être que la première partie, je suppose. Ah, d'accord. Ça ne s'arrête jamais. Oh là là, ça rappelle des souvenirs. Tant de souvenirs. Oh non, pas toi. Ah, bon, si, en fait, toi. C'est la version 6 discount, ça va. Aïe. La version 6 discount. Un petit mini rodage, bah c'est ça, ouais. Comment ça, pourquoi les guillemets? Ne me fais pas peur. J'avais dit que je voulais partir dans une heure. Pitié. Ah, le gros, j'avais oublié lui. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il est gratos, putain. Un boss comme on les aime, hein. Ah. Salut, Elbout. Oh, Hornet! Oh non. Oh, la musique. Meilleure musique. Oh fuck, j'ai oublié ça. Fuck. Chat! Vous êtes prêts pour le prochain jeu où on gueule rachat toutes les 5 secondes? Ah, on bourre comme le dernier des cons. Bon. Salut Hornet, ça plus. Chez chat. Ah, c'est fini. C'est tout? Heureusement. C'était ça le combat des héros? Ah non, d'accord. Oh Gorb, salut. En P3. Ah, d'accord. Oh non, pas lui. Pitié. Not again. Le caca. Bah. Toma, toma, ta gueule. Munda, il fait des placements de produits, hein, ça me dérange un peu moi. Oh, la version c'est discount par contre maintenant. On n'a pas pris un hit quoi. Ouais bon ça va. Pas obligé de me rabaisser hein, pour une fois que je m'en sors. Ah, vous. Ah merde, d'accord. Fuck. Arrête avec tes charmes, t'es chiant. Enfin, avec tes bidules.
Bats-toi comme un escrimeur. Allez, salut. Ah. Alors en fait, je m'en rends compte qu'à la fin du collision, on avait littéralement tous les putains de boss de fin de partout, quoi. Ça, c'était des dégâts... inévitables. Fuck. On bourre comme des sacs, quoi. C'était une vraie boule, ce boss. Ender. Ah. Salut. Attends d'abord, qu'est-ce que tu penses? Oh dieu d'Alonest, montre-nous tes forces. Pourquoi cet accent? Nous nous amenisons à ti et nous ascendrons toujours plus haut. Chercheur de dieu. Pourquoi t'y entres dans ce panthéon, petite chose faible? Le bruit de tes tortillements a créé beaucoup de discorde, noyant les résidences divines auxquelles nous nous accordons. T'y veux contrecarrer notre but sacré? Qu'est-ce qui t'y pousse à faire une telle folie? Nous prions pour que les dieux de ce royaume t'y punissent, t'anéantissent, t'y détruisent totalement. C'est pas cool. Continue de t'y cacher, petite chose faible, et que les dieux t'y détruisent totalement. Cannabis kayak, hein. Du cannabis kayak. C'est intéressant. Hein? Oh, hello. Oh oh. Ah mais on se bat contre OMDR. Oh oh. Quoi c'est tout? Oh oh. Oh what the fuck. Oh. Les frères. J'ai peur. Ok. Oh, oh là là, oh là là, Kang Bang Abarok. Allez. Allez, allez. Nani. Pitié, non. Alors, le troisième frère. Ah, non, on se salue comme des vrais judokas. Fraternité, nouveau fait. Temps de jeu 8-24. Oh non, mais alors moi par contre j'en ai rien à foutre des timers, des bidules, des machins, on va pas se mentir. Je vais être honnête avec vous, hein. Toute honnêteté je m'en balance, mais d'une puissance infinie. Hein. C'est ça que tu plais, good luck. Non, ils sont que 3, c'est bon. Il y a Oro, Mato et Sheo, je crois. Ok, deck. Ça rappelle un boss, ça. Comment ça? Avec des octuplés. Ah ouais? C'était quel? Ah oui! Putain, les enfoirés là, oui! Ah non, ne me rappelez pas ça. Bah, surtout, je suppose qu'un de ces quatre, on va devoir se la retaper si on fait la suite des défis. Ce qui me fait pas du tout envie, je vais pas vous mentir. Hein.